Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un 24 heures prank. Non, mais ça va être encore relou aujourd'hui. Mais non, on va pas faire des pranks trop extrêmes. Je sais pas dans l'extrême. Ah oui, mais on a oublié, on est avec Younes. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, 24 heures prank. Tout le monde rigole, tout le monde est joyeux. J'ai une idée. Je sais qu'aujourd'hui, on va peut-être s'embrouiller parce que quand on se fait des pranks, c'est pas joyeux à chaque fois. J'ai une méga surprise pour Yacine et Myriam, histoire de bien commencer la journée. Et après, c'est la guerre. En vrai, c'est une bonne idée, comme ça, on commence bien la journée en détente, calmement et tout et tout. Mais en vrai, tu penses que c'est pas de la bouffe. Je sais pas c'est quoi la surprise, mais j'ai peur que ce soit un prank. Non, moi je pense pas. C'est la dîner surprise, c'est pour commencer chill. Mais après, faut se méfier de Younes, on sait jamais. Lui, il aime bien que la bouffe et le feu. Pour bien commencer la journée, la famille, petite surprise pour Yacine et Myriam, vu qu'il fait encore chaud. Piscine incroyable avec des toboggans. Un pont. La piscine est gigantesque. Par contre, il y a une seule contrainte. Wow, Myriam, c'est incroyable. Attends, viens voir. C'est un vrai toboggan. Attends, ça se trouve, c'est un bonbon. Wow, ouais. Dingue. Eh, mais attends, avec Younes, faut se méfier. Ça se trouve, il y a des pics dans la piscine. J'avoue, c'est un 24 prank qui nous ramène dans une piscine comme ça magnifique. Mais après, on s'en fout, on va profiter. Les amis, je vais commencer par faire les toboggans. Avec Myriam, par contre, je vais prendre le micro. Donc, s'il est mouillé, il n'y a plus de vidéo. Oh, c'est une dinguerie. Oh, ça a l'air profond. Fais-le en premier, tu sais nager. Ouais, tu l'as. Vas-y, fais-le en premier. Comme... Attention, Myriam. Oh là là. Elle a vraiment pas pied, mais elle sait nager, c'est carré. Oh là, vas-y. C'est carré, le micro n'est pas mouillé. L'eau est bien glacée comme d'habitude. C'est ça qu'on aime. Attendez, les frères. J'ai un micro, les frères. C'est moi passer, les frères. Maintenant que j'ai testé l'eau, on peut faire des plongeons. On va voir qui de la famille fait les meilleurs plongeons. Est-ce que tu te sens capable de plonger et de pas couler? Regarde, marqué quoi? No jumping. Ouais, mais smahli, on a le droit de jumper. Mais elle est tarée, elle saute comme ça dans le vide. Quand tu testes une eau, si elle est profonde ou pas, faut jamais sauter. Imagine, ça aurait fait 3 mètres, tu serais tout au fond là. T'es malade, tu réfléchis pas dans ta tête. À toi, Younes. Bonjour, allez. Oh là là. En plus, c'est qu'il plonge avec une casquette, il respecte personne. Je te mets la note de 3 sur 10. Allez, amis, moi je reviens vite fait, je dois faire un truc là-bas, j'arrive, ok? Myriam, je vais te montrer la bombe. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la bombe? La bombe atomique, la bombe nucléaire. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a poussé tout le monde, les micros. Oh. Elle est là-bas. Mais qu'est-ce que c'est pas ça, une bombe normalement ça devrait éclabousser toute la piscine. Mais Myriam, on va voir il est où Yacine. Jamais frère, s'il nous prépare un truc. On s'en fout, laisse-le tranquille. Non, on s'en fout pas s'il nous prépare un truc de ouf. Là Myriam, on a trouvé une vue où on voit pratiquement toute la piscine. Les gars, aucune nouvelle de Yacine, vraiment. Et tu sais, c'est comme le jeu où est Charlie. J'ai des claquettes. Toi t'es relou à marcher pieds nus à chaque fois. C'est pas grave. J'en ai marre d'elle, à chaque fois elle vient pieds nus, elle croit on est dans Mowgli, hein, de la jungle. Ah, c'est chaud, fofo. Les gars, premier prank de la vidéo. J'ai des claquettes. Oh bro! Est-ce qu'elle va réussir? L'eau elle est grave profonde. Va la chercher, va la chercher. Non. Tu vas la chercher. Hey, écoute-moi bien ce que je vais te dire. T'as 30 secondes pour aller la chercher. Va chercher ta casquette toute seule. Non, je peux pas, je vais me noyer. Vas-y, va. Vas-y, lâche. Petit poisson des îles tropicales. Arrête! Va la chercher maintenant, va la chercher. Lâche petit poisson. Non, c'est pas là jusqu'à là-bas, là je vais couler. Hein? Ah, j'ai pied sur la pointe des pieds. Je vais te lâcher, Myriam, tu vas couler pour la première fois de ta vie. C'est qui le plus fort de la famille? C'est qui le boss? C'est toi. L'alliance est officiellement brisée entre moi et Younes. Il m'a jeté ma casquette dans l'eau, j'ai failli couler 3 fois. Il va voir. Myriam, je crois que j'ai retrouvé Yacine. Regarde mes pieds. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes pieds par terre, sérieux? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce fou? Yacine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis en train de jouer là. T'attends dans la piscine? Non, je suis en train de jouer. Qu'est-ce qu'il fait sur un terrain de beach volley? Mais c'est chaud. Chaud, bah est-ce que le sable il est chaud? Un peu. Bah tiens, va avec lui. Allez. Qu'est-ce qu'il fait ce fou? Il joue tout seul au volet, regardez. Ouais. Tu veux jouer contre moi? Ouais. Je vais t'éclater. T'es sûr? Oui. Oh. Ok. Non. Ouais, 2-0, je suis trop fort. Aïe. Ouais. Oh, Myriam, je me suis fait mal. Ah. T'as quoi? Viens voir. Aïe. Ici, regarde, dis-moi ce que j'ai ici. Ici. Arrête. 24 heures prank. Attends, mes claquettes s'il te plaît. Non. Tu peux me rendre mes claquettes? Non. Mes claquettes. Tu vas te les chercher tes claquettes. Arrête. T'es sûr? Non, c'est possible. 24 heures prank. Allez, tu rentres pieds nus. Arrête, c'est chaud. Vas-y s'il te plaît. Non, pieds nus. Ça brûle. Au revoir. Pendant que les deux zigotos ils s'envoient, j'ai trouvé une crêperie. Il va me faire des crêpes gratuites illimitées. Ce 24 heures prank, il est incroyable les amis. Oh, il y a différents goûts. Hello, bonjour, vous parlez français? English? Comment c'est dit ces crêpes? Crêpe, one crêpe, chocolat. Si. Juste une seule, on va pas prendre pour les autres. Ah, je savais pas, les gars, on dit crêpe. En espagnol, on dit crêpe. Yes. Chocolat, vanille, crêpe. Gracias.
Comment t'es Yama? Lucas. Gracias, Lucas. Tu t'appelles Lucas. Petite crêpe au chocolat, ça fait... Oh non, pas eux. C'est la dernière fois que tu prends mes claquettes, c'est bon? Mais j'ai ton pote, j'ai ton pote, chaud, je suis pas ton pote, je te le dis, je suis pas ton pote, d'accord? Eh attends, regarde, il y a Younes. Tu fais quoi lui encore avec une crêpe? Lâche-moi. Hey, Younes. Vous voulez quoi? Quoi? Tu prends des crêpes, c'est sans fin nous. Monte ta crêpe, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Tu peux tenir ça vite fait? La prochaine fois que tu me tires sur la tête, je te jette dans la piscine au milieu. Merci, au revoir. Ma crêpe. Non, j'ai du chocolat sur les pieds. Non. Et là-bas, c'est carré, bismillah. Elle est grave bonne, elle est incroyable. Les gars, je vais finir ma crêpe et je vais juste discuter les deux là. Qu'est-ce que je m'en fiche? Lucas, il m'a dit c'est illimité, je vais aller en reprendre 15 si je veux. Mais tranquille, ils ont ramené un ballon. Ouais, ce ballon là. Ils ont qu'à aller le chercher maintenant leur ballon. Moi, je vais pas la chercher, je suis à la cantine, tu me l'as. Incroyable! Mon ballon, ils sont relous! Ah si, c'est toujours le même qui va chercher là-bas! Ils sont relous, sérieux! Pendant que Younes il est parti à la plage, viens, on fait une pause, d'accord? Je vais t'offrir la possibilité de gagner un cadeau de malade mental. Oh, vas-y. Si tu vas en dessous du jeu là-bas et tu récites l'alphabet à l'envers dans l'ordre, tu gagnes le cadeau de ton choix. Vas-y, go! Recule, recule! Mets-toi dans le point bleu là! Là, ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle est dans un bourbier monumental. Oui, tu fais tomber mon ballon, prends-le-moi, s'il te plaît! Prends-le-moi! Ah! C'est une blague là, tu m'as lancé un pseudo sur la tête. Attends, t'as cru que j'étais qui, moi? Va chercher ton c'est quoi la vidéo? 24 heures prank. Bah c'était un prank, allez ciao. Vas-y, va chercher ton ballon là, va. La guerre est déclarée. C'est pas tout, mais moi je vais rejoindre Younes à la plage. Je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il prépare un mauvais coup. Les deux commencent à me prendre la tête les amis, comme je vous ai dit dans la vidéo. Je vais faire un petit tour à la plage, là elle est transparente. Par contre il y a une dinguerie, la dernière fois il y avait un poisson venimeux. J'ai vraiment peur pour ma santé, je sais pas si je vais rentrer. Mais je vais essayer de faire du jet ski les gars. Hello, hey, it's possible to make jet ski? Yes. Les gars, il m'a dit jet ski dans 1h30. Oh là, moi, c'est mort et je peux pas attendre 1h30. J'ai une meilleure idée. Dans mon sac, j'ai la sacoche de Yacine. On va aller s'acheter des maillots de foot, les gars. Comme c'est pas ma carte, j'ai envie de tout acheter, même les tenues, les trucs de touriste. Après, Yacine, il va péter un câble. D'abord, j'espère qu'Yacine et Myriam, ils vont pas me retrouver, les gars, parce que là, j'ai de l'argent à dépenser. C'est une masterclass. Chilo, Younes. Ah, il y a un kebab là, Younes. T'es là, Younes? Younes. Non, il est pas là. Je suis sûr, il est à la plage. Je vais aller voir à la plage. J'avoue, la plage, y'en a, ils vont dire c'est grave bien. Moi, je vous dis la vérité, il y a des trucs, ça me dégoûte. C'est quoi? C'est il y a grave des poissons, des raies, des requins. La dernière fois, on a trouvé une raie, ça faisait grave flipper. Après, il y a le sable aussi. Le sable, ça reste dans les pieds. C'est un truc de fou. Si, y a encore le poisson là, il va m'attaquer. Après, je vais pas revenir en France. J'ai pas envie. Non, pas eux, mais pourquoi ils me suivent tout le temps? Ça va, tu fais quoi? Le gros sac à dos là, en plus t'as quoi dans le sac à dos? Non, le sac à dos, quoi qu'il se passe dans la vidéo, ne l'ouvrez pas, ok? Il doit y avoir son portefeuille et tout, il doit y avoir des trucs de ouf. Ah ouais? On va faire un jeu. À chaque fois qu'on jongle, on doit dire un autre footballeur et faire la passe à l'adversaire. Ah, des bailleurs! Ouais, ça finit par un R! Par un R! Oh, Ronaldo! Pardon, monsieur! Le monsieur il passe devant, on peut pas jouer. Vas-y, j'ai trop le seum, j'ai perdu. Arrête pour ma défense avec les vagues, tu peux pas jouer, ça glisse. Hey, j'ai tout gagné. Le football et des maillots de foot. Attends, reviens. On a joué au foot. Ah ok, d'accord. Pour ma part, vous êtes nul au football. Allez, va la chercher. Je peux pas. Thank you. T'as de la chance, il y a un anglais, t'as passé la balle. Je pouvais pas aller la chercher. T'es trop nul au foot, arrête le foot. Aller au Maroc, la balle, j'irai pas la chercher. Viens, on rentre, t'es trop nul. Vas-y. Hey Yacine, comment on va faire avec le sable dans la voiture? On a une voiture? Bah oui. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est trop bien, j'avoue. Regardez mes pieds. Mais moi, tu sables partout, frère. Comment on va salir la voiture de malade, hein? Non, on peut pas rentrer dedans. Faut trouver une solution. Mais c'est laquelle notre voiture? C'est celle-là. La blanche là? Ouais. Waouh, ça fait plaisir. Hein. Elle est incroyable. Ça fait plaisir. Hein. Arrête. Attends, est-ce qu'elle s'ouvre? Oh Myriam, elle s'ouvre. Bon, du coup, on fait comment? Par contre, t'as raison. Moi, mes pieds sont sales, il y a du sable. Au pire, regardez, vous conduisez, moi je reste comme ça. Comme ça, on attend comme ça. En vrai, c'est un pince, non? On fait comme ça. Myriam, smahli, la mer, c'est trop nul. Donne-moi un seul point positif de la mer. Bah, l'eau, elle est belle. Il y a la piscine. Le sable. Oh, le sable, c'est un gros point négatif. Regarde. Ouais, c'est vrai. Regarde. Glace. Les glaces à la mer, elles sont incroyables. Il n'y a pas de glace à la mer, qu'est-ce que tu racontes? Il y a des granitas à la mer. N'importe quoi. Si. Et n'importe quoi. Mais si. Moi, je suis désolé, les gars, la mer, c'est trop nul. Bah, on y va. Allez, c'est parti. Bah, où Yacine? Bah, on va à l'hôtel là. Bah, à l'hôtel? Oh, ça y est, on rentre. Tu connais la route? Je connais pas, il y a le GPS. Il est juste ici le GPS. Ok, les frères, on va conduire pour la première fois en Espagne. Là, faut que t'ailles à gauche. Ok, la voiture elle est pas grande. Fais gaffe, on fait pas d'accident. Non, t'inquiète, je vais pas faire d'accident. Y a pas de constat en Espagne, c'est la prison directe. T'inquiète, Myriam, t'as bien mis ta ceinture? Ouais, mais faut pas d'accident, j'ai pas eu. Attends, là, faut que t'ailles où là? Le GPS il dit n'importe quoi. Il te dit d'aller tout droit le GPS, je comprends pas là. À droite? Ouais, là, faut que t'ailles à droite. Un peu dans ta vie. Les routes elles sont trop belles ici. On dirait on est dans un film. Oui, Myriam. Non, t'inquiète, je vais pas faire de prank au volant, ça va pas. Ah là, il y a un mec qui traverse. Allez, traversez, monsieur. Wesh, Myriam. Ah, il y a Myriam. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Myriam, qu'est-ce que tu fais là? Mais laisse-moi sortir là, vas-y. Je rigole pas. 24 heures prank. Myriam, ouvre la porte, wesh. Ouvre, je rigole même pas avec toi. T'as 3 secondes pour ouvrir. 1. Vas-y, s'il te plaît.
Laisse-moi sortir. Donne-moi la sortie sauf moi. Donne-moi la sortie sauf moi. Regardez, c'est une roche volcanique. N'importe quoi, c'est une date. Quoi, c'est sur... T'as confondu... C'est une figue. Ah, elle a confondu une roche volcanique avec attends, une figue. Attends, je peux faire un truc. C'est un chameau. C'est faux. Ah, dégueulasse. Eh, smahlé, j'ai cru que c'était une roche volcanique, c'était un peu un mélange. Ton de cerveau, comme ça. La roche volcanique, ouais. Tu racontes, ouais, la roche volcanique, là. Va là-bas. Avance. Va, moi, j'ai du quinoa et de l'avocat et du pain complet. Du cassamine. Alors, c'est bon ou pas? C'est du quinoa, quoi. C'est pas comme vous, vous mangez des grecs, des pizzas et tout. Moi, je mange que ça. Excuse-moi de te déranger, hein. Nous, on mange pas. 1, 2, 3, 4, 5 gâteaux. C'est pas non, mais oula, c'est pas une reproche. C'est un pain de mie. C'est pas une reproche, t'as raison. C'est 3 petits pépitos, frère. Et je vais te faire une bonne nouvelle. Tiens, on a une petite surprise pour toi. Voilà, tiens. C'est quoi? C'est des lions. Je peux pas manger ça, moi. Mais pourquoi tu peux pas? Tu ouvres ta bouche. J'ai mal au ventre. Mais ça fait pas mal au ventre. Myriam, ça fait mal au ventre, des lions. Tiens, c'est pour toi. Moi, je peux pas, ça me fait mal au ventre, frère. Mais Myriam, ça fait pas mal au ventre, des lions. Bah, moi, ça me fait mal au ventre à moi. Peut-être toi, ça fait pas mal au ventre, ça me fait mal au ventre. Tu peux prendre un gâteau? Non, on touche pas. À ce fond, on touche pas. Je vais pas prendre un pain de mie. Vous m'embêtez de ouf là. Viens là, vas-y, t'as eu. C'est l'heure de la prière à la famille. Oubliez pas de faire la prière, c'est super important. Puis l'école, ça va bientôt reprendre. Et peu importe, hein, que vous soyez en vacances, que vous soyez à l'école, tout ce que vous voulez, il faut toujours faire sa prière. C'est super important parce que bientôt, on va rencontrer notre Seigneur, on sera interrogé. La première chose sur laquelle on va être questionné, ça va être la prière. Donc faites la prière où que vous soyez, la famille, c'est important. Les gars, on est cachés, on attend Yacine, mais approche-toi, il va te voir. T'inquiète, on va lui faire une peur, elle est comme dans les films d'horreur, vous allez voir. Approche-toi. Vas-y, je m'approche, on est caché dans une douche. Faut lui faire grave peur, Myriam. Avance, ok, on est bien caché là. On laisse bien passer. Hein. Okay. On est caché à la piscine, les reilles. Et pour combien d'euros tu te donnes? C'est bon, tais-toi. On passe par là-bas, les reilles. On va lui faire peur, on va faire tout le tour, on va le prank. Ok, dépêche, Myriam, dépêche. Il est là-bas, on va lui faire grave peur. Prends-moi-le. Pourquoi vous avez fait ça? Ah, la réaction, il a eu aucune réaction, genre. On leur raconte ce qui s'est passé. On a fait un match contre l'équipe à Younes. Younes, il a ragé, il est parti. Il est parti en courant, il a dit: moi, je m'en vais, il est parti comme ça. Moi, je m'en vais. En vrai, dans son équipe, il y a quelqu'un, il fait que tirer et genre, il dribble pas. Il tire du milieu de terrain. Et Myriam, elle a mis 3 buts. Dis-lui, t'es pas content, triplé. Vous êtes content, vous avez joué contre des joueurs qui jouent au billes, des collectionneurs de Pokémon. Moi, je suis avec Myriam, on a gagné contre toi. C'est tout ce que je retiens. Vous avez joué contre des chasseurs. Dans l'équipe en face, il y avait des chasseurs d'écureuils. Il y avait Younes. Non, je sais pas là. Si, il y avait Younes. Vous avez joué contre des enfants? C'était Myriam et Yacine contre Younes, on t'a battu. Vous avez joué contre des enfants? Au début, on s'est caché dans la douche. On voulait faire. Pourquoi t'es pas passé par l'autre côté? Tu fais chier. Parce que l'autre côté, il y a la piscine, ça glisse. 22h20 et il s'est endormi en pantalon, frère. C'est quoi ce Tanguy là? Bon, erreur fatale, on est dans une vidéo 24h30, il a voulu faire l'erreur. Regardez ce qu'on va faire. On va aller dans la salle de bain, on va prendre de la Nivea. Je pense que vous savez ce que je vais faire. Je sais pas, il rêve de quoi, à mon avis, il doit rêver de kebab ou... Tac, partout. On va étaler, bien évidemment. Je sais pas si le va faire le haqqa demain. Non, on va pas faire le haqqa. Younes. Réveille-toi, frère. Je leur dis même pas au revoir dans la vidéo. C'est le 24h30, ok? Tu fais pas la fin. Fais la fin de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonne nuit. Mais non, mais fais la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. Pour plus de vidéos, donnez-moi un repas et salut. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement KO, la famille. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous, on vous laisse là. Ciao. Vas-y, bonne nuit. Hein. La tour Eiffel, elle est jaune.